Et rebonjour, désolé pour le petit souci, j'ai une petite déco. Donc j'ai coupé le stream de l'autre côté, hein. J'uploaderai donc en deux fois cette partie de stream. Et je reprends donc ici. Donc qu'est-ce que je viens de découvrir? Ici donc le raffineur de Sainte-Hélène qui est connecté donc au niveau de l'oléoduc. Là je suis en train de le finir au niveau électrique. Je me rends compte que c'est à partir de cette console-là qu'on peut donc régler la production, savoir combien on en fait tout ça. Donc c'est très fun. Donc on va voir ce que ça va donner. Sachant que du Saint-Hélène rouge, orange, pardon. Saint-Amide, là c'est du Saint-Amide, pardon. Du Saint-Hélène, j'en ai pas sorti. Ah si, je lis Saint-Hélène blanc ici. Vitesse d'ouverture des portes, ça voudrait dire que je peux faire donc des portes en Sainte-Hélène. Très intéressant. La propriété du Sainte-Hélène, donc les propriétés de Saint-Hélène, vitesse d'ouverture des portes 140%. Donc en gros, ça serait peut-être plus performant que ici, vitesse d'ouverture des portes 45. Je vais faire un test sur cette porte-là. Je vais la démolir. Je vais la construire en Saint-Hélène blanc, juste pour voir un petit peu les propriétés. Alors, par contre, au niveau élec, je vais doubler. Je vais doubler parce qu'il semblerait que ça consomme aussi pas mal d'énergie, ça. Et que je suis short au niveau énergie. Je ne produis pas assez de fuel, on dirait. Là, je produis assez, ça c'est sûr. Je vais réalimenter cela. Quoique, je vais les démolir et je vais les alimenter en chaîne fuel. Je vais en faire des nouveaux en chaîne fuel. On va alimenter ça. Ok. Il faut vraiment bien gérer la variation de son débit et de sa production. Un second groupe électrogène, je pense que ça sera réglé. Donc Lisa Zelda qui monte au taquet en construction, ça c'est cool.
Non, non, elle va d'abord finir la construction. C'est trop important. Voilà, donc là, en énergie, je suis extrêmement bien. En réserve de Shen Fuel, on a 377, ok. Même pas, 752, effectivement, il multiplie. C'est cool, il prend en compte tous les réservoirs. Je pense que ça va être pareil ici. Ouais, c'est ça. Oula. Rataboum improvisé. Apprivoisé, pardon. J'en veux pas. J'en veux clairement. On va faire une petite zone. Gérer les zones. Qu'on va appeler boum. Genre, tu mets un rataboum dans la raffinerie et il n'y a plus de raffinerie. Je vais mettre ici. Et il va aller là-bas. Donc reprenons notre test sur la porte en Saint-Hélène blanc. Qui veut sûrement dire qu'on peut faire aussi des murs en Saint-Hélène blanc. Des murs en Saint-Amine, ok. Alors, je vais tester tout ça. Juste pour voir un peu. Histoire de tester un petit peu la résistance de tout ça. La résistance, l'esthétique. Parce qu'après, je pense que c'est pareil, hein. On va pouvoir faire des armes avec. Genre un fusil à pompe. Non, c'est automatiquement de l'acier. Ok. Pousse pas le vis jusque-là. Bon, il semblerait que j'ai un souci au niveau de ma connexion là pour aujourd'hui. Donc je vais arrêter cette petite partie là 5.1 que je vais uploader à la suite de la partie 5. Et je reprendrai le stream plus tard. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis ben, je vous dis à la prochaine donc pour la partie 6 parce qu'on continuera donc l'exploitation du pétrole. Au revoir les gens.